Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve. C'est mieux dans le Ninazuma d'il y a 11 ans. Surtout si le match que je veux faire se trouve là. Bref, on se retrouve aujourd'hui sur Inazuma Eleven Go de Chronostomes et rapidement je vais vous montrer les changements que j'ai fait dans mon équipe. Mais d'abord, avant d'aller faire les changements, j'avais vite fait me soigner parce que sinon je sens que je vais l'oublier. Oui, c'est mieux, je pense. Pour l'instant, c'est pas que je suis en train d'entraîner ces 5 joueurs là, mais bon, voilà. Alors, Oog, bien sûr, mon gardien. Je vais pas lui laisser Varitra. Levée d'encre, coup du sort qu'on peut trouver dans des magasins assez facilement. Coup du sort, c'est dans le magasin du futur. Donc au Centrado, et levée d'encre, c'est... Je sais plus où précisément. Répulsion et main céleste X, pour que ce soit clair et net pour tout le monde. Je les ai eu dans les machines à sous... La machine à pièces du jeu là, donc voilà. Ettore qui me servira de Mikshimax et qui a tribun 3. Niwa auquel j'ai donné Pégase et qui me servira de Mikshimax pour Gonzu, à quel j'ai donné Ignis, donc l'esprit guerrier de Vulpine. Donc voilà, je lui ai également donné Avenir Funeste. Donc voilà, son moveset n'est pas encore complet vu qu'une de solitaire je lui ai rajouté, parce que sinon... À un moment, elle n'avait pas encore sphère lumineuse et du coup, elle n'avait pas de dribble vu que j'avais remplacé son dribble par soleil aveuglant parce que je voulais technique de défense, technique de dribble et puis de tir. Bon, il y a séductrice qui est entre tout, mais bon, c'est pas de ma faute. Gamma, auquel j'ai donné Pendragon, particulier élémentaire. Je vais bientôt lui donner, dès que j'aurai récupéré la technique, je vais lui donner jungle sauvage à la place de précision plus qui me sert à rien. Que je vais quand même le remplacer, donc voilà Gonzu, Ryoma, voilà, il a toujours pas évolué. En vol du dragon que je vais pas garder, Kao Kao qui n'a toujours rien appris. Attendez, mais sinon c'est plus simple si je fais 2 secondes, juste 2 secondes. Place de Gabi, Vie à la place de Niwa, Gamma à la place de Kao Kao. Excusez-moi, et Gonzu à la place de marteau. Normalement c'est comme ça. Hops, c'est plus facile si je fais comme ça et que je prenne cette équipe-ci. Alors. Vie, il a rien appris, toujours pas. Pourquoi je vous montre tout ça en fait? Je vais juste vous montrer les quelques changements que j'ai fait. Chaud, je lui ai donné super cire lapin. J'ai donné Apollon à Nurture. J'ai donné Pégase à lui et j'ai donné donc Ignis à Gonzu et Vulpine, je l'ai recruté, il va me servir de Mikshimax pour Sho, mais je n'ai pas encore récupéré l'esprit guerrier que j'ai besoin. J'ai tous les objets, j'ai juste pas les points d'amitié pour. J'ai besoin de 4600 je pense en total parce que je dois recruter 2 joueurs, non 6600 je pense. 6600 ou 6800, donc voilà. 4000 et puis 2600, je pense. Donc c'est 4600. Bref, ça va aller. C'est parti pour un match. C'est parti, mon kiki. J'ai récupéré Avenir Funeste ici, hein, pour ceux qui se demandent. Tempête de feu, j'adore leur logo. Et puis je vais aller prendre cette équipe-ci. Tempête de feu. Pas genre le nom du deuxième jeu. Tempête de feu. Tempête de glace et tempête de feu. Oui, c'est le nom de Inazuma Eleven 2. Super. Xené, Axel, Flore, ouais. Summer, qui était aussi très bon dedans. Ouais, sympa. Avec Hit et tout. Urban, Autumn, bien sûr. Gardien, meilleur gardien sur justement ce jeu-là. Inazuma Eleven Go 2, oh mon dieu. Puis bon, Sumner aussi était bon. Hurley aussi était bon d'ailleurs. Si je me souviens bien, mais je me souviens plus trop. Et puis j'avais Xené aussi dans mon équipe, je me souviens. Putain, Inazuma Eleven 2 était bien. Inazuma Eleven 2 était bien. Inazuma Eleven 2 c'était un peu particulier. Bah, en fait, Inazuma Eleven 2 c'est comme Inazuma Eleven Go pour moi. Je me suis jamais mis à la stratégie dans la version japonaise. Et dans la version française, je me suis fait une bonne équipe et tout. Voilà. Inazuma Eleven Go, j'avais même pas joué en japonais. J'avais directement fait Go 2. Qu'est-ce que je veux sortir moi ici?
Or, qu'est-ce que je veux sortir? Je vais sortir Tribun. Ça me semble être une bonne idée. Tribang, Tourment, le gardien éternel. Super, ben, désolé. On va faire une petite invocation. On va aller invoquer l'esprit guerrier de Sho. Première fois que je l'invoque. Sur lapin, chevalier, supersonique. On va aller tirer. On va aller faire un double choc qui a évolué au niveau 3. Au N3. Bon, moi je dis niveau 3. Parce que ça peut être quoi d'autre que niveau? Hein? 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 Ça peut être quoi d'autre? Orion infernal. C'est beau. Il n'y a pas fait de Mixumax. Ok. Mixima... Lui par contre il fait un Mixumax trans. Ok. Alors lui c'est Axel. Est-ce qu'il a un dribble de base? Oui, il attaque le fulgurant. Oh merci. Ah, je m'y attendais honnêtement pas. Hein. C'est très gentil de ta part. Invocation. Show. Au revoir. On va aller un peu dribbler. Il y en a peut-être des qui vont me demander, mais Emma, pourquoi t'as fait ça? Tout simplement parce que je m'en fous de Sœur Lapin alors qu'elle est en milieu de terrain. Sœur Lapin, j'ai juste envie de l'utiliser pour justement le level up. Bon, il va pas level up dans ce match, mais bien sûr. Sœur Lapin, faut l'utiliser 195 fois pour le mettre au niveau max, au niveau oméga. Donc 195 pour les Français. Du coup, voilà, hein, j'utilise dans les matchs où je peux l'utiliser, et puis voilà, tout simplement. Pareil pour Vent Déchaîné. Arion, j'ai fait ça dans Go 2 et même dans Go 1, dans la version française, mais dans Go 2 et Go 3 Galaxy. J'ai fait ça, j'ai mis, comme c'est le personnage principal, j'ai mis toutes ces techniques au niveau max. Comme ça, pour m'amuser. Puis bon, quand mon Victor n'aura plus rien à entraîner niveau tir, et que son esprit guerrier sera au niveau Oméga, je vais augmenter ses stats pour qu'il soit prêt pour le Mixumax. Et peut-être qu'à un moment je Mixumaxerai avec Arion tant que j'ai pas de joueur qui Mixumax avec lui, tout simplement. D'ailleurs, il y en a des qui pensent que c'est Vladimir. Vladimir, je l'ai déjà et il n'est pas dans mon équipe. Donc voilà. Comment j'aurais pu récupérer Pendragon pour mon gamma, qui n'est d'ailleurs pas dans cette équipe. Mais bon, on s'en fout. Maintenant, Nurtur. Écoutez. Musashi. Bon, je pense qu'il est temps que j'aille marquer, non? Et de quel élément le gardien? Et de l'élément feu si je ne me trompe pas. Donc Mixumax trans, ok, du moment que c'est pas le même joueur, parce que sinon on serait bien dans la merde. Ah merde, c'est Grant. Ok, là par contre je vois pas du tout avec qui pour un Mixumax. Vu cette couleur de cheveux totalement dégueulasse. J'aurais pu y aller avec machin. Non, ça par contre j'aurais préféré l'inverse. Pressari qui essaye de prendre la balle de Watch. Alors, Xené, tu as l'avantage élémentaire, mais j'en ai strictement rien à foutre. Yes! Portail dimensionnel. Trop bien, Sho. Ki! Moi, je vais l'appeler quand même Shoki. Dans la version française, c'est Sho, mais moi, je vais l'appeler Shoki. Vu que c'est Shoki dans la version... Dans la version... comment dire? Dans la version... Jap. Du coup, moi, je dis Sho. Sphère lumineuse, c'est parti. J'ai à peu près utilisé tout le monde pour l'instant. C'est super. Oui, ça m'a arrangé. Je voulais justement faire une passe... Ah merde, son tir de défense torsadé est au niveau max. Ok, bon, bah, on va faire un tir normal. Hein. Je peux le faire, ça. Hein. Ah, ça c'est intéressant par contre. Tir de défense torsadé au niveau max. Je vais peut-être le remplacer du coup. Lui dans cette équipe. Parce qu'à part mur de l'Atlantide, il n'y a rien à augmenter. Et son esprit guerrier, bien sûr. Mais voilà, c'est pas le truc que j'ai envie d'augmenter en priorité, quoi. C'est marrant, la luminosité de ma 3DS en un instant. Genre, elle s'est retirée, elle s'est remise. Bon, Soleil aveuglant, vous l'avez déjà vu. Technique niveau plus, donc elle passe de V3 à V4. Alors, on va retirer Apollon. Voilà. On va aller foutre un Mixumax trans. On va aller mettre Arthur. On va aller faire une passe à Victor. On va aller refaire une passe à Arion. Ok.
qui, quand il va recevoir le bal, va faire une invocation. Il va invoquer son esprit guerrier. Il va tirer. Il va pas se mettre en armure. Et il va faire direct de Pégase. Et ça va être goal. 865. Merde. N'empêche, c'était tout près des 800. Hein. Je suis content. Je suis content. C'est comme la fois où j'avais dit 1200 pour Vulpine et qu'il avait fait justement du 1200. C'est but. Donc ouais, c'est super. Vous voyez que quand je m'y mets sérieusement, moi je marque. Celui qui reconnaît le mec que j'ai imité, GG. Même si j'imite certainement très très mal, mais bon, on s'en fout. Là n'est pas la question. Alors, vu que je viens d'utiliser un esprit guerrier, je ne vais pas pouvoir en utiliser. Du coup, niveau TP, à part Pressarei, ils ont tous utilisé des TP. À peu près. Et chaud. Mais bon, chaud, je peux toujours dribbler, du coup... Du coup voilà, ça peut se régler. Problème c'est que s'il n'utilise pas de technique, c'est bon, je l'arrête avec Pressarei. S'il utilise une technique par contre, ok, il fait une invocation en plus. Là on est bien dans la merde. Bah, j'ai envie de dire Ignis, excusez-moi. Oui, sauf que là il va mettre justement Surte, géant de feu. T'es gentil, mais Pressarei dégage. Vas-y, Hector. Coup de théâtre. Non, il passe directement en armure. Oh mon dieu. Faux de flamme. Non, pas faux de flamme. Tacle explosif. Non, il fait une attaque. Super. En plus, comme ça, il va perdre son esprit guerrier à cause de l'armure. Je ne sais pas s'il est déjà au niveau pour récupérer justement tacle fulgurant. Je pense qu'il la récupère. Je pense qu'il a tornade de feu. Non. Super. Puis il y avait genre encore un personnage qui devait genre faire quelque chose. Oui, c'était toi. C'était toi, Shaw. Tu devais dribbler quelqu'un. Yes! C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Illusion éblouissante, niveau 2. On va la passer à Shaw. On va faire juste ça. Parce que pour moi, ça me va. On va la passer à lui. On va faire Croix du Sud. Parfait. Parfait. Il n'a pas de technique de dribble, ça j'en suis sûr. Parce qu'il avait orque furieuse, truc aquatique et deux tirs. Il avait deux techniques de défense et deux tirs. Écoute, c'est super. Du coup, on va la repasser. Hein, il est où Arion? Juste, il est où Arion? Il est là? C'est lui Arion? Oh! But. On est d'accord que Sam Gook n'a pas cette couleur de cheveux. On est d'accord. Bah c'est super. Alors, au cas où. Super. Franchement, pour l'instant, cette mi-temps, elle se déroule parfaitement. J'ai pu utiliser les esprits guerriers que je voulais. Voilà, j'ai utilisé son esprit guerrier à lui, à elle, à elle, à elle, à lui. Même si, bon, je m'en fous un peu. Seuls esprits guerriers que je dois peut-être encore sortir sont ceux de Victor, tu et Gabi. Donc franchement c'est pas un problème du tout. Niveau technique, voilà j'ai déjà fait deux fois. Une fois illusion éblouissante, du coup je peux faire encore deux fois illusion éblouissante. 45 x 3 font 120, 135. Donc il lui manque encore 5 PT pour dire de pouvoir l'utiliser 4 fois par match après le recovery de la mi-temps.
Soleil aveuglant, là idéalement ce que je devrais faire c'est deux fois sphère lumineuse. Ou bien comme c'est 105, faire trois fois soleil aveuglant. Malheureusement je ne peux pas faire deux murs de l'Atlantide. Là 120, laissez-moi faire le calcul, c'est deux fois croix du sud plus une fois portail dimensionnel. 81, soleil aveuglant, faux de flamme. Du coup, ouais. Ah oui, mais là il est en... Ok. Ok. Comme tu veux. Ah, de toute façon, toi t'es en armure là. Ok, mais là ce que je propose, c'est que comme je suis en armure avec Arion, c'est qu'on se grouille un peu et que... Et que voilà, tout simplement. Ce serait parfait si tu faisais une attaque. Vous êtes sûr qu'il a pas tacle explosif? À ce niveau-là, il devrait quand même avoir tacle explosif, on est d'accord. Ou tacle... Oh non, c'est... Non, 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 c'est tacle explosif, qu'est-ce que... Pourquoi j'ai pas directement été dans ce joueur? Bah écoutez, je vais utiliser Dribble Zephyr, on va entraîner... Mais non! Non, pas Dribble Zephyr! Dribble Zephyr, c'est genre la technique que j'ai pas envie d'augmenter. Oh, je suis mauvais. Mais qu'est-ce que je suis mauvais. Dribble Zephyr, c'est justement la technique que j'ai pas envie d'augmenter et je l'augmente, moi. Voilà, attaque ventriculaire. Ça m'étonne d'ailleurs qu'elle a toujours pas évolué, cette attaque. Mais bon, j'ai pas énormément utilisé non plus. Par contre, t'aurais peut-être pu garder une critique pour le joueur qui était en Michimax ici, juste derrière. Bon, on va faire percer des halls. Ça devrait pas être un problème. Normalement, les deux techniques de dribble que j'aurais entraîné sont percer des halls et attaque ventriculaire, vu qu'elles font partie de son moveset de base. Et deux techniques, deux dernières techniques, normalement, je devrais les remplacer par un machin, par un... Comment que ça s'appelle? Par des talents. Tout simplement. Et les deux dernières techniques sont bien sûr dribble zéphyr et tir en rafale. Parfait, hein. Parfait, parfait, moi je dis. Alors là, comme lui, il a encore un peu son machin. On me rassure. Il ne l'a plus qu'un peu. Ah oh, bah au pire, ce que je fais, c'est que je fais... Parfait. Parfait. Non! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, j'ai 120. Du coup, je vais pouvoir utiliser deux fois ma tactique à 60 PT si je veux. PTT. Excusez-moi. Niveau esprit guerrier, je peux retirer celui de Gonzu. Alors, Shione, reine des neiges. Parfait. Non, je me suis trompé de touche. Je vais pas faire ça. Je me suis toujours trompé. Mais c'est parfait, écoutez, on va aller dribbler un peu. Portail dimanche. T'es pas sérieux, t'es pas sérieux, t'es pas sérieux. Vas-y, pressaré. Ah, mais elle a l'avantage élémentaire. Elle a bonus élémentaire. Non, super. Super, super, super. Nurture, s'il te plaît, démarque-toi. Oui, quand vous faites une passe en arrière sur un joueur qui est tout près de vous, vous devez justement utiliser... Essayez de justement trouver un peu... T'es pas sérieux quoi, Nurture, il a eu un coup critique. Même pas. Rien à voir... Ah bah oui mais... Non. Ah bah si, c'est un milieu de terrain. Oui, non, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'étais con pendant genre 2 secondes. Non, 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 je suis d'habitude plus con que ça. Hein, mais... Attends, je rigole. C'est comme il y en a un, le pauvre, il me rajoute sur Skype. Et il me dit t'es le meilleur pour moi. Puis je lui dis. Ou bien t'es trop beau, t'es trop fort. J'ai plus de quoi. Puis je lui dis merci, mais c'est pas beau de mentir, le pauvre. Coucou toi d'ailleurs. Je me souviens plus de ton pseudo malheureusement vu que voilà, des invitations sur Skype, voilà. Excuse-moi, je veux 2 secondes. Excusez-moi, je veux 2 secondes me concentrer. Qu'est-ce que je fais maintenant?
Je fais rien, moi. Allô. Je sais que je vais pas marquer, hein. Ne vous inquiétez pas. Don't worry, though. Nice try, though. Oh, j'adore ce moment d'en revanche. Ouais, où Emily dit comme ça. Nice try, though. Ah. Ça veut dire bien essayé, mais je t'ai quand même baisé, quoi. Non, je voulais récupérer la balle justement avec machin. Du coup, please, yes. Excusez-moi, j'ai skippé. Alors maintenant, par contre, avec Nurture, on va voir en conséquence. Ou bien, ce que je fais, c'est que je la passe à tu. Toi, tu dégages par là. Toi, tu dégages par là. Comme ça, il n'y a personne qui vient nous gêner, qui vient gêner tu. On va faire croix du... S'il te plaît, merci. Merci beaucoup. Croix du sud, elle n'est plus qu'à 1 TP. Putain de merde! Bon, Grant a été remplacé par Stalker. Il y a Autumn qui est meilleur, mais ils sont apparemment rien à foutre. Je sais pas si dans ce jeu-ci, il est meilleur ou pas. Mais je pense qu'il est meilleur. Mais j'en suis pas sûr quand même. Donc, prenez ces informations avec une... avec des pincettes, bordel de merde. Je pensais avoir la balle. J'ai la balle. Ah ouais, j'ai la balle. Non, encore une fois, je me suis trompé de touche. En fait, je vous explique, dans les défis, le bouton des esprits guerriers est à la place du bouton des tactiques. C'est pour ça que je m'embrouille peut-être un peu. Mais bon, voilà, attaque ventriculaire passe facilement. On l'a déjà vu, en plus en armure. Non, Pressari, non ! Je te l'avais dit, Pressari ! Bon, moi ça m'arrange d'un côté, vu que comme ça il va récupérer la balle, je vais pouvoir faire ça. Il y a au jeu justement pour mon machin, du coup ça c'est pas cool. Mais je vais pouvoir utiliser Mur de l'Atlantide. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tout est fini entre nous. Bon là par contre j'utilise Feu de Flamme, parce que tu m'as déjà une fois baisé, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'aurais de toute façon pas pu utiliser deux fois Soleil Aveuglant, vu qu'il me restait que 65 TP. Toi tu dégages, toi tu vas là, tu fais ça, toi tu vas là, tu fais ça. Super. Ah mais c'est super ça. C'est super, comme ça je vais pouvoir mettre Astaroth. Varitra. Bon Astaroth on l'a déjà vu. Je vais aller pouvoir mettre l'esprit de guerrier de Victor par moi-même. J'espère le passer par contre ce clet. Please Victor. Please Victor. Oh, putain. Un saut d'éléphant. Désolé, j'ai skippé. Bien, super. Non, putain. Ah putain, je vais encore aller marquer deux buts. C'est faisable, mais ça va quand même être chaud. On va pas se casser le cul, on va utiliser Botte de Lancelot qui va marquer. 827 easy. Alors, qu'est-ce qu'il va m'utiliser? Ouais, c'est bon. C'est goal. Varitra n'a pas non plus énormément de puissance. What? Non. Non. Là, par contre, je rigole plus. C'est fini, fulgurante double tornade de feu dans ton cul, mec. Même pas double choc, je veux marquer, là. Je veux mon 5-0, je recommence pas ce match. Vas-y, 1169. Je veux rien entendre. Non! Non! Juste... Non! Faudrait qu'on récupère la balle assez facilement. Ah mais du coup ce que je vais faire c'est ça. Est-ce qu'il y en a des qui doivent encore dribbler? Je pense qu'il y a Shaw qui doit encore dribbler, non? Non, Shaw c'est bon, elle c'est bon. Elle, je pourrais utiliser deux sphères lumineuses, c'est pas. Il n'y a pas de problème. Ok, bon bah c'est parfait. On y va, hein, écoutez. Voilà, parfait. On va te passer en armure.
Tu vas aller utiliser Mur de l'Atlantide. Je sais que je vais perdre quelques KP, mais bon, on s'en fout un peu. Je vais vous montrer Mur de l'Atlantide avec mon petit tu qui va d'ailleurs évoluer. Mur de l'Atlantide, j'ai fait le calcul. Non, je rigole. Je ne sais absolument pas où il en est par rapport à Mur de l'Atlantide. On va la passer à lui. Hop, on va aller éliminer ces deux zigotos avec Sphère Lumineuse. Oh mon dieu. Oh non, oh non, oh non, oh non. Please. Désolé, j'ai dû le skipper, mais voilà, j'ai des priorités. Défense athlétique, vu que j'en ai l'occasion. Allez, moi je parais qu'il a un mauvais moveset, je fais double choc. Et puis même. Parce que là, il va passer en armure, ça c'est sûr. Au pire, j'ai le KO. Donc c'est ou bien goal ou bien c'est KO. Il a un bon moveset. Bon, en tout cas, il mixmax avec la bonne personne. Mais bon, c'est KO et c'est goal. Là, je vais vous avouer, ça change rien. Ça change strictement rien. On a réussi. Mais quand même, c'est nice. C'est nice. Nice. Non, ce n'est pas grave. Bon, j'aurais pas pu utiliser le... Ne pas dire jamais, ne pas dire jamais. J'allais dire, je n'ai pas pu utiliser l'esprit guerrier de machin. Mais comme je viens de le dire, il ne faut jamais dire jamais. Du coup, on va aller mettre Pressari, qu'est-ce que je raconte, Gonzu là. Hop, faire ça, si tu veux bien, te grouiller. Voilà, comme je retire justement mon Hétor qui avait mis son esprit guerrier, je vais pouvoir, si je suis assez rapide, aller mettre mon esprit guerrier de mon Gabi. Voilà, vous l'avez de toute façon déjà vu, je vais pouvoir utiliser Mur de l'Atlantide, passer la balle à Gonzu. Voilà, on vient de le voir, je suis un peu pressé, voilà, elle évolue maintenant. Voilà, et je vais utiliser juste, voilà, une sphère lumineuse et le match sera fini. GG à mon adversaire, c'est-à-dire l'ordinateur. Allez, l'ordinateur l'IA. Mais bon, GG quand même. 5-0, 3 buts d'Arion, 2 buts de Victor. C'est super. C'est super. C'est génial. Bien sûr, Arion, je ne l'utilise que dans cette équipe-là. Hein. J'ai une autre équipe que j'utilise pour les matchs que je ne fais pas sur YouTube. Et dans cette équipe-là, il n'y a pas Arion, justement. Allez. Jeton spirituel, s'il te plaît. Non, brochette rétro. Genre j'ai eu des trucs de merde. Genre j'ai eu des trucs de merde. J'ai eu un truc de merde. Alors qu'est-ce que je veux absolument savoir, qu'est-ce que je pourrais dropper contre cette équipe. D'abord je vais refresh la page avec les commentaires de Zesteria. Et puis je vais aller mettre... Non, Pachkara Ranking, Extra Tyson Ruto. C'est parti. C'est parti. Alors c'est contre qui? Ah oui, c'est le parcours de vérité. Même si bon, c'est en japonais, du coup, juste savoir parcours de... Parcours... voilà, parcours ancien, parcours de la révolution, je ne sais plus lequel c'est. En tout cas, je sais que c'est celle-ci. Alors c'est Team Faya. On pouvait dropper contre eux. Ah oui, on pouvait dropper Soleil Aveuglant. D'ailleurs, il y en a un qui me l'a demandé. On pouvait dropper un pendentif. On pouvait dropper un jeton spirituel. Leur logo que j'ai récupéré. Comment que ça s'appelle, Tourbillon de feu. Et puis, justement, la brochette rétro. Donc, j'ai récupéré des trucs de merde contre eux. Oh non, oh non. Oh non, héros de flamme. Joueur de type bois. Bracelet d'espoir. Kibo no Pendanto. C'est pas genre celui qui donne 58 en dribble. d'endurance. Ben oui. Le bracelet d'espoir et le pendentif. Oui, je pensais que c'était le pendentif. Justement, comme je venais de voir que on pouvait récupérer. Oui. En fait,
contre justement cette équipe que je viens d'affronter, on peut justement récupérer un pendentif. Et du coup, je pensais que c'était un pendentif qui donnait 58 de maîtrise, de dribble. Mais bien sûr, c'était pas ça, vu que c'était un bracelet. Mais bon, vu que c'est un bracelet, je savais que c'était endurance, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Je sais tout ce que je sais de quoi je parle, ne vous inquiétez pas. Mais bon, j'ai pas d'esprit guerrier, j'ai pas de jeton spirituel. J'en avais 4 et je savais pas quoi faire. Et après, je me disais, putain, j'ai Gonzu. Je vais aller recruter Vulpine pour récupérer Ignis. Après, je me dis, eh, mais j'ai Shaw. Est-ce que j'ai son esprit guerrier? Oui, j'ai Sœur Lapin. Oui, j'ai Apollon. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais leur donner. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais aussi mon petit Niwa qui va mixhimaxer avec Gonzon Zouzouzou. Donc voilà. 5127, c'est pas assez pour aller récupérer les joueurs que je voulais. J'aurais bien aimé le faire en vidéo, mais bon, comme c'est pas possible, hein, écoutez. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Sinon, ouais, je sais pas quoi faire. On n'est pas vendredi, du coup, il n'y a rien à télécharger. On est mardi, qu'est-ce que je pourrais faire encore dans ce petit jeu? En fait, là, ce que je suis en train de... Juste pour vous dire ce que je suis en train de faire, c'est j'essaye de récupérer des maillots. Je vais vous dire ce que je suis en train de faire. Déjà, je suis en train de recruter un joueur qui se recrute là-bas pour justement récupérer le jeton, l'esprit guerrier de la reine blanche. Pour justement la donner à mon Vulpine qui la donnera à Shaw en Mixhimax. J'essaye de récupérer plusieurs maillots pour justement récupérer Tescat. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Ah oui, aller au stade de la route du sacre. Je fais la route en vidéo que je fais avec vous pour justement récupérer plusieurs objets. Plusieurs objets. Il y a plusieurs objets intéressants justement sur la route que je suis en train de faire avec vous. Et aussi je suis en train de faire la route ou le parcours plutôt qui est ici. Alors j'ai fait que 2 matchs pour l'instant contre eux. Vous voyez ma chance, je suis spirituel. Et là bien sûr les 2 talents. Ah celui-là, esprit guerrier. Ouais mais il m'intéresse pas, c'est ça le problème. Donc oui, je suis aussi en train de faire cette route. Alors contre l'équipe, ça c'est la 3ème. Contre la 5ème, je dois récupérer un talent, voire même 2 fois le talent. Je sais pas, je sais pas. Je vais juste vite fait ouvrir mon... Si je me trompe pas, je dois le voir 2 fois. Je pense que je dois l'avoir 2 fois. C'est le talent séductrice. Je vais pas vous cacher que c'est le talent séductrice. Et je pense qu'il y a 2 filles qui ne l'ont pas encore. Donc voilà. Contre cette équipe-là, ce que je devrais aussi récupérer, c'est... Donc contre la 5ème équipe, hein, contre celle qui est juste à côté du coffre, juste à côté de celui-là. Vous voyez, là je suis sur demi-portion, il y a un coffre juste à côté il y a un point d'interrogation, c'est contre cette équipe-là que je dois me battre. Donc je dois récupérer 2 fois séductrice, je pense 2 fois. 2 fois l'objet de recrutement qui est justement disponible contre ceux-là, c'est une sorte de mouchoir. Et je dois aussi récupérer une technique qui s'appelle Festival Floral. Aussi je dois essayer de récupérer contre eux. Donc voilà, 2 fois Festival Floral contre eux, je pense, 2 fois. Une fois pour mon Gabi et une fois pour mon Ryoma, je pense. Festival Floral. Du coup voilà, je vous ai un peu expliqué où j'en suis. Mais bon, j'ai pas trop envie de vous en montrer parce que bon, pour l'instant, c'est vrai que mon équipe c'est un peu... Marteau ne sera pas dans l'équipe, Doudad ne sera pas dans l'équipe, H non plus, Tigre non plus, Vierge non plus. Et voilà, dans les Mixhimax aussi rapidement, Atone n'y sera pas. Il y a vraiment plusieurs joueurs qui n'y seront pas. Alma n'y sera pas, même si... En fait, j'hésitais pour justement Gonzu, j'hésitais entre Alma et Niwa. Alma donne justement économie et est bonne en dribble. Et Niwa donne génie offensif et est bon en dribble. Mais je me disais donner économie en Mixhimax avec une fille. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, les filles donnent plus de PT que de PE. Et en fait c'est vrai que économie plus Mixhimax avec une fille, ça le fait pas trop. Parce que de toute façon c'est la même chose avec Gabi, Mixhimax, Jeanne. À la fin d'un Mixhimax, quand ces PE sont vides, on a encore
plein de PT. Bon, après, vous allez me dire que... elle récupère pas PT, plus. C'est chance, plus. Mais, ouais, c'est juste énorme, quoi. C'est la même chose avec Sol, Mikshimax, Zuge. Lui, en plus, il récupère, justement, TP, plus. Du coup, le Mikshimax part beaucoup plus rapidement à cause des PE. Et au final, vous n'avez pas utilisé tous vos PT en Mikshimax. Et du coup, je me disais la même chose avec Alma. Ça va être la même chose avec Alma. Elle aura... Allez, Gonzu aura justement encore plus de PT, aura économie, donc elle consommera quasiment rien. Mais au final, ça servira à rien vu que ses PE vont partir tout aussi rapidement. Du coup, je me suis dit, je vais prendre Niwa et puis voilà. Même s'il est gay. Parce qu'on voit que son style est gay. Bien sûr, là il aimait style, mais danse de joie, c'est déjà mieux. Pourquoi mettre style, je sais pas. Pire, il aurait pu mettre danse, c'est aussi en 5 lettres, ou bien style. Merde, mais il aimait style de danse. Ou bien joie. Mais non, style, non, ça veut rien dire. Style, gay, je suis désolé, mais non. Non, je sais que gay n'est pas écrit comme ça, allez, gay, dans le sens PD. Homo, même si j'ai rien contre eux, hein. j'ai rien contre eux, je trouve ça vraiment super ceux qui arrivent justement à comment dire, c'est un nom. Bon ben en plus c'est embarrassant pour moi parce que je dis genre un truc et comment dire, un truc compliment entre guillemets, mais ouais, je trouve ça bien que justement on ait des qui ne se cachent pas. Je sais qu'il y a un mot pour ça, mais bon voilà. Et je trouve ça vraiment très très bien que voilà. Si les gens qui sont gays, ils ont le droit d'être gays, j'ai rien contre ceux-là. Et voilà. Franchement, je trouve ça même bien qu'ils font ça. Pas bien qu'ils se. Vous comprenez bien que. Ouais, voilà, vous me comprenez. Franchement, j'ai commencé une discussion, je me suis dit je dois me sortir de là d'une manière ou d'une autre et j'ai aggravé la situation. Bref. Alma, bon ben voilà, je vous ai un peu expliqué quoi. Mais je peux pas trop vous en dire sur mes Mikshimax parce que dans cette liste, il y a justement un joueur qui est plus pété que les autres. Le problème c'est que je peux pas vous dire qui. Je peux juste vous dire que Alma et Atto ne sont pas des Mikshimax. Puisque Atto il a une tête dégueulasse et que c'est un milieu de terrain. Et que comme vous le voyez, ce sera pour un attaquant. Pour Nurture. Nurture d'ailleurs et Mikshimax. Ah oui, Mikshimax avec ouais. Même si j'y réfléchis encore pour Nurture. J'hésite. Parce que je vais pas vous cacher, c'est. Je connais pas son nom en français en fait. Son nom en japonais c'est Ronijo. C'est le capitaine du Brésil dans Inazuma Eleven 3. Il est pas non plus super bon en tir, c'est pour ça que j'hésite avec un meilleur attaquant. Il n'est pas super bon en tir, mais il a un avantage, c'est qu'il a faveur de feu dans son moveset de base, et que je trouve ça genre super bien. Mais c'est vrai qu'il est moins bon que des autres, du coup je pense que je vais devoir faire quelques calculs. Est-ce que justement c'est mieux de prendre un attaquant plus puissant et qui n'a pas faveur du feu dans son moveset de base, ou bien faveur de flamme, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ou bien justement prendre Ronijo qui est justement moins bon en tir, mais qui reste très très bon, hein, Ronijo, c'est pas ça, mais qui a justement faveur du feu, je vais appeler ça faveur du feu, dans son moveset de base. Du coup, voilà, je pense que voilà. Alors pour ceux qui, voilà, 4 vidéos d'Inazuma, c'est pas mal par semaine, mais j'avais juste envie de dire quelque chose. Il y en a pas mal qui me demandent, oui, est-ce que tu nous montreras ton équipe sur justement la version japonaise. Oui, je ferai encore des vidéos sur la version japonaise. Oui, je ferai encore des vidéos sur Galaxy. C'est juste que pour l'instant, j'utilise plus les vidéos les vidéos comme prétexte entre guillemets pour me dire de faire cette route que je fais avec vous, parce que honnêtement, c'est pas la chose que je préfère faire dans Inazuma, c'est récupérer des objets, surtout sur des routes. C'est pas ce qui m'excite le plus dans ce jeu. Du coup, voilà, tout simplement. Du coup, j'utilise un peu ça comme excuse, mais il faut savoir que voilà, que Galaxy va bientôt revenir.
et que je pense même peut-être faire du Strikers 2013, mais voilà, rien n'est encore décidé. Donc oui, je montrerai ma team. Oui, je ferai peut-être encore du Strikers 2013. Oui, je ferai encore du Galaxy, très certainement. Et le Kaminari Challenge, le show Kaminari Challenge, je vais bientôt le faire aussi. Je dois juste encore préparer quelques trucs. Et j'avais pas envie de le faire directement, mais ça va bientôt sortir. De toute façon, avant les vacances d'été, le show Kaminari Challenge sera terminé. De toute façon, en principe, ce ne sera que maximum 7 épisodes, parce que je ne m'autoriserai que 2 défaites. À partir de la 2, si je fais 2 défaites, j'ai perdu le challenge. Il n'y a que 5 équipes. Voilà, je suis désolé. 2. Du coup, voilà. Je m'étire, vu que je suis un con, et vu que je suis fatigué, même s'il est que 20h16, et que j'ai dormi très tard aujourd'hui. Ah, très tard, entre guillemets. Mais bon, voilà, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine, au revoir. C'était Emma, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, ciao tout le monde, c'est plus facile. スレイさん、もしもし、死の予感、カンビであろうな。同志スレイが信じる答えは、きっと最悪の時代に終焉をもたらします。僕たちにも見せてくれ。スレイ、スレイ、スレイさん。テイルズオブゼスティリア、1月22日発売。